Merci Jean-Hubert d'être venu à Rouen pour cet entretien, cette conversation assez ouverte et libre à propos de la question d'exposition, qui est une problématique qui te tient à cœur, en tout cas qui traverse tout ton parcours, un parcours absolument impressionnant. Dire simplement que, c'est difficile. Non, mais historien d'art, conservateur, directeur d'institution, commissaire d'exposition, c'est du moins ce que j'ai relevé dans certains réseaux. Ancien directeur du Musée national d'art moderne, directeur de la Kunsthalle de Berne, du château de Waron, avec la mise en place de tout un programme absolument étonnant, on va en reparler tout à l'heure, directeur du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, du Muséum Kunstpalast de Düsseldorf, et puis commissaire indépendant, et ça c'est une partie là qui moi m'intéresse particulièrement et sur laquelle on va peut-être poser plus le regard. En tout cas, tout un parcours qui est jalonné donc d'un nombre d'expositions majeures, et c'est beaucoup autour de 4-5 d'entre elles que je voudrais que nous conversions. Et tout de suite peut-être dire que il y a un atavisme chez toi, quand même, familial. Oui, c'est vrai. Mon père était conservateur de musée. Voilà. Mais je dois quand même préciser qu'il était dans un domaine très particulier. Les conservateurs sont souvent des gens très spécialisés. Et son domaine, c'était les militaria, les armes anciennes, les uniformes, les armures, sur lesquelles il a écrit d'ailleurs. Et donc, il n'était pas dans le domaine de l'art, et je dois préciser aussi qu'il se sentait très très loin de l'art moderne. Donc encore plus de l'art contemporain, entendu au sens qu'on lui prête. Et tout ça, c'était en Alsace, à Strasbourg. C'était à Strasbourg. Originairement, il était conservateur du musée historique de Strasbourg. Alors, c'est vrai, quand on parcourt ta carrière, je ne sais pas si c'est le mot plus adéquat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que ton regard s'est porté sur des centres d'intérêt ou sur des artistes très différents, au point même qu'on pourrait s'interroger sur ce caractère extraordinairement et excessivement éclectique. Et si jamais, par exemple, on te titillait de ce côté-là en te disant « Mais comment pouvez-vous avoir porté votre intérêt sur Agam en 72, par exemple ?» Puis ensuite, je les prends comme cela sur Casimir Malevich, puis sur Miro, puis sur Picabia, et finalement, pour t'intéresser à des problématiques d'art conceptuel, des fois très pointues, pour... ensuite porter ta curiosité sur des cultures qui ne soient pas occidentales à proprement parler, c'est un melting pot qui peut un peu troubler celui qui s'intéresse à ton cas. je comprends ça, et il est vrai que si tu avais commencé à dire que le programme de mes expositions était essentiellement éclectique, j'aurais sursauté parce que effectivement, tel quel, je renie l'éclectisme. Mais c'est en même temps une grande curiosité qui m'a poussé à faire des expositions sur des mouvements artistiques extrêmement différents, parce que je crois que, comme à mon avis beaucoup d'auteurs qui écrivent, on fait des expositions pour apprendre. J'ai des collègues notamment qui font la même exposition depuis 40 ans. Bernard Schmitz, il a fait au moins 15 expositions, Max Ernst non plus. Moi je ne pourrais pas faire ça. Je me suis rendu compte très très rapidement, en particulier, puisque tu l'as cité, quand j'ai eu la chance de faire une exposition, la première exposition importante en France de Malevich, au Centre Pompidou en 1977. Ça a été un grand moment parce que quand même le public parisien a découvert Malevich, on le connaissait très mal, et il y a eu évidemment des conférences, des colloques, et plein de journalistes sont venus m'interroger. Je me suis rendu compte très rapidement
qu'au fond, on nous demandait de parler à la place de Malevich. Et je me suis dit, c'est une ornière dans laquelle je ne vais pas tomber. Je ne voulais pas devenir le spécialiste d'un artiste auquel on se réfère constamment, qui au fond, on se prête à ce jeu très facilement, n'est-ce pas, de prendre la parole à la place de l'artiste et de devenir le grand expert. Et je me suis dit, je ne cantonnerai pas dans un sujet comme ça. Et en plus, ma curiosité m'a poussé, enfin, on y reviendra tout à l'heure, à explorer plein de voies sans doute inattendues. Alors, tu as dit pour apprendre. Pour apprendre. Et puis, tu as utilisé un autre mot qui ne m'a pas échappé. Tu as parlé d'auteur d'exposition. Alors, est-ce que c'est une qualification que tu revendiques ou bien tu te considères comme un passeur, je dirais, un serviteur et non pas un auteur? Quel est le poste, disons, que tu t'attribues? Oui, bien sûr, on est avant tout, quand on est conservateur de musée, on est un passeur, on est l'intermédiaire entre l'artiste ou l'œuvre et le public. Bon, c'est un rôle qui est assez important, mais qu'on doit traiter avec une certaine modestie. Je parle d'auteur parce que, en fait, j'avais en tête, quand je parlais, le fait que beaucoup d'historiens d'art, beaucoup de mes collègues, consacrent l'essentiel de leur temps à donner leurs interprétations de l'art par écrit, en écrivant des textes, des livres entiers, des articles, etc. Pour ma part, j'écris très peu. Et je pense que ce n'est pas du tout anormal si on prend des gens qui ont beaucoup compté pour moi comme auteurs d'exposition, comme Arad Zeman, Pont du Sultan, ce ne sont pas des écrivains, ce sont des gens qui ont très peu écrit sur l'art. Et ils ont transmis leur interprétation de l'art à travers des expositions, c'est-à-dire une manière qui consiste à mettre des œuvres dans l'espace de façon à les rendre le plus accessibles possible à un public et de donner ces interprétations d'une manière vraiment visuelle avant tout et passant par le langage dans un second temps. Alors, pour éclairer justement cette posture que tu viens de définir, peut-être la première chose que je propose que nous découvrions et qui va interroger le concept même d'exposition à travers le filtre occidental tel qu'il était jusqu'alors entrepris, je te propose de nous montrer quelques images de cette exposition. Alors là, il faut bien dire qu'il est culte, absolument culte. Merci à toi de nous avoir donné cela. Cette exposition majeure qui s'est appelée Magicien de la Terre, qui était présentée en 1989 dans le cadre du bicentenaire de la Révolution, aussi bien au Musée national d'art moderne qu'à l'époque tu dirigeais, si j'ai bonne mémoire. Oui, et à la Villette. Alors, cette exposition, elle est une exposition effectivement qui a marqué l'histoire justement de l'art, c'est-à-dire une approche de l'histoire de l'art qui jusque-là ne se gargarisait que d'exemples occidentaux. Et tu es allé chercher des productions artistiques d'autres cultures, d'autres horizons, qui étaient considérés comme à côté, donc marginal en quelque sorte, parfois même pas artistique mais artisanal. Tu voulais faire une démonstration qu'il n'y avait pas de distinction à établir, que dès lors qu'il y a création d'un objet qui s'apparente à une œuvre d'art au sens où il n'y a pas une fonction utilitaire, tu voulais montrer que finalement c'était de la même nature. Oui, tout à fait. Que d'abord, quand tu dis l'art occidental, il faut bien se dire que ce qu'on appelait des expositions internationales jusque dans les années 80, ça comprenait des artistes d'Europe occidentale, c'est-à-dire même pas un seul artiste derrière le rideau de fer, et des artistes d'Amérique du Nord, quelquefois l'un ou l'autre d'Amérique latine.
et le reste n'existait pas. Oui, comme s'il n'y avait pas de... Ça n'existait pas. Et je me suis dit que c'était un scandale, que ce n'était pas possible. Il se trouve que j'avais pas mal voyagé auparavant, quand j'avais une vingtaine d'années, et j'avais vu des choses, j'avais vu des objets qui n'étaient pas tous des objets anciens, qui étaient des choses faites aujourd'hui. Et donc je me suis dit qu'il fallait remédier à ça. Je savais très bien que j'allais mettre un pavé dans la mare, comme je le disais à ce moment-là. Et je considère d'ailleurs que les objectifs de l'exposition ne sont pas encore totalement digérés aujourd'hui. Ça ne fait jamais que... Quasiment 30 ans, 29 ans. Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Il faut du temps, on le sait bien qu'il faut du temps. Pour d'ailleurs, je peux vous montrer un exemple. Là vous voyez une présentation sur le mur noir d'une œuvre d'un artiste anglais, Richard Long, assimilé peu ou prou, à juste titre ou pas, peu importe, à l'art conceptuel, et qui a fait ce... Je crois que c'est Roland Barthes. Roland Barthes, c'est plus exact, là c'est plus précis. Non, ouais. Mais non, on peut considérer le Roland Barthes, tu sais, il a été quasiment pris dans la mouvance art conceptuel. Tout à fait. Bon. Et c'est simplement un cercle fait avec de la boue d'une rivière à côté de l'endroit où il habite, la rivière Avon. Et donc ça a un caractère extrêmement archaïque, c'est d'une simplicité totale, c'est une forme qui est une espèce de forme primordiale et que nous avons fait rimer avec une peinture au sol faite par des aborigènes australiens de la communauté de Yeonhumu, dont une douzaine sont venus pour faire sur place une cérémonie avec des danses que les femmes ne pouvaient pas faire. On a dû faire une grande tente, ne pouvaient pas voir, et on a fait une grande tente tout autour où ils ont fait cette cérémonie et il y avait le résultat là au sol. Et d'ailleurs, je reviens... Juste un petit mot, je te prends. C'est, bien sûr, mais c'est parce que je viens de capter un mot qui me plaît beaucoup. Une exposition, c'est un poème. Tu viens de dire, on a fait rimer. Oui. Et j'ai trouvé ça superbe. Oui, je crois que ça a beaucoup à voir avec un poème. Parce que de la même manière que la poésie utilise le langage d'une manière non fonctionnelle pour évoquer des choses qui ne sont pas dites immédiatement par les mots, mais que la combinaison des mots dans un certain ordre évoque, de la même manière, des œuvres d'art dans un espace mis d'une certaine manière évoque des idées, des sensations ou suscite des émotions que on n'aurait pas en les montrant simplement d'une manière rationnelle. Merci. Donc tu voulais nous montrer ensuite. Et je voulais simplement, puisqu'on disait l'exposition à 30 ans, voilà un artiste qui était totalement inconnu. J'ai trouvé une petite photo de maquette comme ceci de lui en noir et blanc dans une revue qui s'appelait Autrement. Je ne sais pas si c'est lequel. Début des années 80. Sans rappel, peut-être. C'était une revue qui comptait dans les milieux intellectuels. Cet artiste, qui habite à Kinshasa, avait apporté une de ses maquettes dans où il y avait une ou deux galeries qui devaient vendre de la peinture à Kinshasa, pas grand-chose. Enfin, il était allé montrer ça à quelqu'un qui s'occupait d'art, dont le métier était de s'occuper d'art, et qui lui a dit, enfin, monsieur, ce n'est pas de la peinture, ça n'a aucun intérêt, au revoir, terminé. Ce n'est pas d'art. Et nous l'avons invité, il a fait plusieurs maquettes dans l'exposition, et ensuite il a passé par je ne sais combien d'expositions internationales, biennales, etc. Et il a en ce moment son exposition au Museum of Modern Art de New York, et c'est le premier artiste africain qui a une exposition personnelle au MoMA de New York. Il s'agit de King Edez. Il s'agit de King Edez, oui. Pour le dire. Pardon, j'oubliais. Non, mais je crois que tout le monde le connaisse bien, justement. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'une exposition dans ta pensée, elle est aussi en quelque sorte le lieu d'un engagement de la part de celui qui en est le concepteur
dans cette qualité où finalement tu as voulu révéler une partie de la scène africaine, comme d'ailleurs une partie de la scène chinoise, au magicien de la Terre. À preuve ici. Voilà. Donc, est-ce que cette qualité-là d'engagement qui est quasiment un engagement politique, c'est une mesure qui, avec laquelle tu composes tout le temps quand tu penses une expo? Oui, certainement. Et j'étais froissé réellement lorsque j'ai lu certaines critiques de Magiciens de la Terre et que justement on a mis en doute de manière indirecte cet engagement. C'est sans doute les choses qui vont le plus blesser. Qu'il y ait discussion sur les choix, on aime ou on n'aime pas, etc. C'est fait pour, à la limite. Mais quand certains critiques, et tu as utilisé le terme tout à l'heure, qui me fait tout de suite sursauter, ont parlé d'artisanat par rapport à des objets que j'ai montrés, là, je me révolte. Parce que, justement, tout le travail que j'ai fait avec mes collaborateurs, d'aller rendre visite à des gens qu'on ne connaissait absolument pas, dont on avait à peine entendu parler dans le monde entier, c'était bien pour se rendre compte qu'il y avait à chaque fois un individu qui avait fait un travail à la fois intellectuel et créatif pour faire des œuvres et qui n'était pas quelqu'un qui répétait des formules déjà existantes. Alors, je mets un bémol à ça, je vais en mettre un dessus. La différence depuis chez nous, depuis la Renaissance, entre art et artisanat, est que dans l'art, il y a un créateur, c'est-à-dire un inventeur de forme, et dans l'artisanat, il y a quelqu'un qui peut être extrêmement habile, mais qui en fait répète peu ou prou des formes. Mmh. Alors, et évidemment, il y a des zones d'interpénétration, tout ça n'est pas complètement étanche. Et alors, j'en viens à un phénomène dans l'exposition, ou à un type d'œuvre qui pouvait poser problème. J'ai fait appel à quatre moines tibétains, qui n'étaient plus au Tibet. J'ai invité également un peintre du Tibet chinois, il n'a jamais pu venir. Mais quatre donc, moines qui étaient au Népal, et que j'ai fait venir pour faire un mandala en poudre de marbre coloré qui se fait lors de certaines cérémonies, donc ils ont mis plusieurs jours à faire ça. Et effectivement, quand on interroge ces moines, ils disent que leur capacité créative est minime ou inexistante. Ils se réfugient tout de suite derrière la tradition et des formules en disant « oui, mais nous avons appris ça, des ancêtres qui nous ont livré ces formes, etc. » Ce qui est vrai et faux, parce que les historiens d'art arrivent très bien à faire la distinction entre un mandala du XVIIIe siècle et un du XXe siècle. Donc, les formes évoluent, mais à la limite, ils ne s'en rendent même pas compte, ou très très peu. Donc, voilà. Enfin, mais pour revenir au début de ta question, oui, il y a un vrai engagement pour le commissaire d'exposition, à la fois dans le choix des artistes et des œuvres, pour obtenir au plus près de ce qu'il souhaite par rapport à une idée d'ensemble qu'il essaye de réaliser. Alors, on va passer à une autre proposition qui est aussi a été très forte, est très forte, puisqu'elle perdure. Oui. Je veux juste dire là qu'on a un artiste chinois, Wang Yanping. Alors, juste un petit peu pour l'anecdote, Magicien de la Terre, c'était 89, au moment, ça a ouvert, le jour où les étudiants se sont rassemblés sur la place Tiananmen à Pékin. C'est quelques mois avant la chute du mur de Berlin et quelques mois avant la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Tout à fait une autre époque, hein. On n'en est plus là aujourd'hui. Wang Yanping vient à ma demande à Paris, les mains dans les poches, surtout pas envoyer une œuvre, parce qu'elle aurait été arrêtée
par les douanes et la police, et elle pouvait lui valoir en plus pas mal de raisonnements. Et il réalise cette œuvre, donc, qui sont deux espèces de tortues qui sont dans des tombeaux chinois faits en papier mâché. Et ce papier mâché est fait avec des journaux chinois, surtout sur l'art, pas uniquement, enfin, traité d'art, et qu'il recyclait dans les machines à laver que vous voyez à côté. Il décide de rester à Paris à cause de Tiananmen. Et il est resté réfugié politique en France jusqu'en 1999, quand il a été invité au pavillon français de la Biennale de Venise et que le ministre lui a remis son passeport français le jour de l'inauguration. Et il est installé chez nous en banlieue parisienne. Alors, je voudrais qu'on montre, on parle maintenant de cette autre proposition que tu as été amené à mettre en place. Après avoir été donc chargé du musée national d'art moderne, tu as pris les rênes d'un bâtiment absolument magique qui s'appelle le château de Waron, qui se trouve à quelques encablures de Poitiers, entre Saumur et Poitiers en quelque sorte, magnifique bâtisse du début du XVIe siècle, qui était celle du sieur Gouffier, si j'ai bonne mémoire, qui était l'écuyer du roi, hein, c'est ça. Henri II. Et tu as transformé ce lieu en un endroit absolument étonnant, dévolu, disons-le simplement, à un concept, c'est le cabinet de curiosité. Alors je crois savoir que tu en as un peu par-dessus la tête de la notion de cabinet de curiosité, je l'ai lu quelque part. Mais force est de le constater. Lorsqu'en 93 a été inauguré le château de Waron, rempli de trésors absolument étonnants dans cette création contemporaine dont on parle, finalement ça a fait boule de neige. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de propositions dans le monde de l'art contemporain sur la notion de cabinet de curiosité. Donc tu as à nouveau, secouer le bananier et permis une ouverture nouvelle. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton esprit, après les magiciens de la Terre, de vouloir finalement nous ramener à une époque qui était pleinement européenne, où les grands seigneurs se payaient le luxe de bâtisses somptueuses dans lesquelles ils amassaient des trésors? Alors, l'une des principales critiques, et il y en a eu beaucoup, qui a été faite à Magicien de la Terre, et qui a été faite surtout à l'exposition, même avant qu'elle ouvre, c'était de dire « on n'a pas le droit de montrer des artistes appartenant à des cultures différentes dans le même espace, dans la même exposition ». Je demandais pourquoi, on ne savait pas répondre très bien pourquoi, mais c'était comme ça, on ne pouvait pas faire voisiner un artiste africain avec les nôtres. Tout ça cachait pour moi une arrogance absolument incroyable de l'art occidental qui se croyait avec l'art conceptuel arriver à un espèce de sommet inégalable et un Olympe postmoderne. Et tous ces petits artistes qui faisaient des objets à droite et à gauche étaient un peu méprisables. Et donc j'essayais de répondre à cette espèce de règle non écrite comme ça qui s'était érigée d'elle-même. Et j'en suis arrivé historiquement, bien sûr, à m'interroger à ce qu'avait été avant, à ce qui existait avant les musées. Et j'en arrivais au cabinet de curiosité. Chacun sait que justement au XVIe et au XVIIe siècle, c'est le lieu où on rassemblait des objets qui paraissaient étonnants, inattendus et merveilleux, et où il y avait très souvent des objets orientaux ou africains, et qui étaient des objets d'études en quelque sorte, parce qu'on arrivait à les analyser et à comprendre comment d'autres cultures pouvaient avoir les mêmes objets que nous, des objets ayant la même fonction que les nôtres, mais avec des formes complètement différentes. Et alors, donc, tu as transformé ce bâtiment en espèce de temple, je dirais, consacré justement à une formulation contemporaine du cabinet de curiosité. Maintenant que tu le regardes de loin, comment tu
on appréhende le souvenir. Comment cela, en quelque sorte aussi, t'a-t-il servi à pouvoir développer ta pensée par rapport à cette question de l'exposition? Comment on expose? Qui on expose? Dans quel type de relation entre les œuvres? Comment cette expérience sur ce concept qu'est la curiosité t'a-t-il fait travailler? Alors, il y avait deux facteurs extrêmement importants. L'un, c'était de montrer des artistes qui, avec leurs œuvres, avec leurs travaux, donnaient une interprétation du monde d'aujourd'hui, quelquefois recoupant des domaines et des disciplines de la science. Et là, on était dans des objectifs très parallèles à ceux des cabinets de curiosité, qui n'étaient qu'un microcosme, qu'on a souvent dit, un microcosme du monde que connaissait la Renaissance et le XVIIe siècle. Donc, ces artistes-là, je les ai trouvés, mais ça m'a donné un système de critères qui n'était pas du tout celui des valeurs du marché ou des musées ou des collectionneurs du moment. Il y a eu des artistes très célèbres, il y a la Chevrie qu'on voit ici, Sol Lewitt, mais je suis allé chercher Georg Ettel, un artiste très peu connu qui vivait en Rhénanie et qui faisait des chevaux. Et comme il y avait dans un passage sous des voûtes très belles du château, des représentations des plus beaux chevaux de l'écurie d'Henri II, on vient de le dire, le seigneur Bouffier était le grand écuyer de roi, et bien j'ai demandé à Georg Ettel de refaire des chevaux sur ce qui reste aujourd'hui des enduits où il y avait ces peintures. Donc, si tu veux, une espèce de coupe dans le temps, mais qui n'était pas du tout selon le système de valeurs habituel du monde de l'art contemporain. Et dans ce sens, je suis très intéressé par une chose, c'est que c'est un espèce d'ovni, hein, parce que c'est ni un centre d'art, ni un musée d'art contemporain, c'est un monument historique, mais qui est habité avec l'art contemporain, et c'est ça qui m'a sauvé d'ailleurs. Oui, il ne faut pas faire une moue négative, il faut faire une très enjouée. Oui, c'est à cause de ça que j'ai pu le faire. Ouais, parce que si on avait parlé de musée, on aurait dit tout de suite, il faut 15 gardiens, on n'aurait jamais eu les budgets, etc. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, donc ce n'est pas un musée, donc toutes les œuvres qui ont été commandées ou qui ont été prêtées par le Fonds national d'art contemporain sont en place, il n'y a pas de réserve. Et on ne peut pas faire disparaître une œuvre en disant oh, bah, oui, bah, oui c'était intéressant il y a 2 ans, mais aujourd'hui, ça a plus de grand intérêt, alors ça passe dans les réserves. Tout est montré. Et donc, c'est très intéressant parce que déjà aujourd'hui, 30 ans après, on peut voir comment un conservateur a fait un choix dans l'art contemporain et ce que ça donne, avec le recul du temps. Et je pense que dans 20 ans, ce sera encore beaucoup plus intéressant. Ça passera sans doute par le purgatoire. Puis si ça reste, ça reviendra peut-être quelque chose. On verra tout ça. On va regarder donc, juste peut-être quelques images. Je voulais juste dire que le second critère qui était très important pour moi, c'était l'adéquation avec le décor, avec le cadre, qui est le cadre d'un château classique 16e, 17e, 18e, et surtout de ne pas travailler en tension ou en violence ou en agression par rapport à ce cadre. Là, j'ai appris quelque chose de très important sur la beauté. D'accord. Et c'est les habitants de Loiron qui m'ont appris ça. Et justement, les habitants de Loiron, les voilà. Et les voilà, oui. Les voilà dans une œuvre de Boltanski. Voilà l'œuvre de Boltanski, parce que je cherchais à mettre quelque part une galerie de portraits. Dans tout château qui se respecte, il y a la galerie des ancêtres. Finalement, tu es un classique. Hein. Si on veut. Je ne rêve pas. Je cherchais à mettre une équivalence aujourd'hui. On a tourné, enfin je passe là-dessus, on a tourné autour du pot, et en fin de compte, un jour, Christian Boltanski, qui était déjà dans le château, on avait essayé 2 ou 3 trucs, ça ne marchait pas, etc., vient avec cette idée, et il dit qu'il allait photographier
tous les enfants de l'école du village Boiron et qu'il allait les photographier année après année de manière à remplir toutes les petites cases de la galerie des portraits. Et alors on a 3 ou 4 années où on les voit. Et alors ce qui était merveilleux, c'est que les familles pouvaient acheter leurs photos par Boltanski, il y avait un tampon Boltanski, et ça devenait la photo de classe habituelle qu'on garde chez soi, du gamin, etc. Et dans le château, ça devenait une œuvre d'art. Et là, il était très proche des théories de son frère, Luc Boltanski, qui a écrit cet ouvrage fondamental, La photographie, un art moyen, en donnant les deux fonctions de la photographie, qui peut être à la fois ce simple véhicule, souvenir et rappel d'un visage, et aussi une œuvre d'art. Une icône. Voilà. On va regarder encore une image là, qui apparaît de Waron, qui est une très belle pièce, je ne me souviens plus l'auteur. Oui, ah si, c'est Thomas. Oui. Ça va nous revenir, ne vous inquiétez pas, ça va nous revenir. Mais qui est une pièce assez poétique. Voilà, qui est un cheval, enfin un poulain, qui est à la fois Pégase et Licorne, enfin toute la mythologie se retrouve rassemblée. Et puis une autre après, on va se souvenir. Je me souviens du nom, suivant. Tom Shannon. Tom Shannon, avec cette. Alors, voilà, quelque chose qui est un peu l'équivalent de ces fameuses merveilles qu'on trouvait dans les cabinets de curiosité au XVIe. Curieux, cette miracle. Qui étaient souvent des automates hein, extraordinaires qu'on mettait sur les tables de banquet et qui avançaient comme ça entre les convives. Et là, vous avez une pièce avec deux hémisphères coupés par ce plateau et l'hémisphère supérieur flotte réellement par un système d'aimantation. Alors, comme vous savez sans doute, on ne peut pas obtenir un élément stable qui flotte par aimantation. Il y a donc un petit fil de nylon qui retient simplement le mouvement de l'hémisphère supérieur. L'hémisphère inférieur, par contre, est suspendu. Quel rapport y a-t-il entre l'art et la magie ? Je pense qu'il y en a beaucoup. Aller les définir de manière abrupte comme ça, j'en ai un peu de mal, mais c'est pas pour rien que j'ai appelé l'exposition du magicien d'Athènes. Vous imaginez que dans la période où on était, les années 80, etc., avec des artistes qui se référaient tout le temps à la théorie marxiste, ça passait pas très très bien. Hans Sacker avait du mal à digérer qu'il pouvait être un magicien. Il l'a accepté quand même. Mais je suis persuadé qu'il y a tellement d'irrationnel dans ce que font les artistes qu'il y a forcément il y a de la magie. Il y a une magie qui se passe dans l'atelier et qui est transférée quelquefois dans les salles d'exposition quand des artistes font des installations. Ils mettent un certain nombre d'objets dans l'espace selon un ordre qui leur est complètement personnel, et à un moment donné, ils disent, voilà, ça y est, c'est comme ça. Et c'est pour ça, on y viendra tout à l'heure, que je me suis intéressé aux autels. Et alors, on y arrive justement, directement, c'est pour ça. Parce qu'il y a non seulement cette relation à la magie, mais il y a quelque part aussi, par rapport à la question mystique, en quelque sorte, hein, tout ce qui est de l'ordre d'un mystère. Et lorsque tu as eu l'occasion de prendre les rênes du Kunstpalastmuseum de Düsseldorf, tu as inauguré, si je ne me trompe pas, avec une exposition qui s'appelle Hôtel du Monde. Et ça, c'est dans le développement, il me semble, de ta réflexion sur la question de l'objet d'art, sur la question de l'exposition, le fait que finalement, au fil, comme tu le disais, des voyages que tu as eu l'occasion de voir, tu as dû prendre en compte certaines situations d'installations votives, religieuses, je ne sais, qui se feraient avoir presque comme des mini-expositions. Je pense presque à la boîte en valise de Duchamp, là, d'ailleurs. Comment le choix de cette exposition sur le thème Hôtel du Monde, avec ce que quand même cela comporte
d'une dimension sinon religieuse, sinon sacrée, du moins quelque chose d'un ordre immatériel, on va dire. Comment c'est advenu dans ton esprit et dans le développement aussi de ta réflexion? Alors, c'est venu comme une conséquence directe de Magicien de la Terre, parce que j'ai eu, à travers les voyages que j'ai faits avec mes collaborateurs, on est tombé très souvent sur des gens qui étaient des prêtres, des officiants, des notables qui étaient à la tête d'une communauté religieuse et qui faisaient ce que nous appellerions dans le système de l'art contemporain des installations, c'est-à-dire qui créaient à la fois des objets mais utilisaient aussi des objets existants pour les mettre dans un certain ordre et y faire advenir à cet endroit précis le sacré. Et là, c'était... Alors, je me suis beaucoup intéressé à ça, parce que, si on réfléchit à ce que nous gardons, conservons dans nos musées, il y a à peu près, je dis évidemment, c'est un chiffre que je donne un peu à hasard, mais je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que on a 80% d'objets qui sont religieux, sacrés, magiques, d'origine funéraire, enfin, où il y a une quantité de spiritualité absolument incroyable. Tout d'un coup arrive, fin du 19e, avec le fin du 19e, début 20e siècle, le colonialisme d'un côté, bon, qui nous dit que l'Europe, toutes ces autres cultures sont quand même tout à fait mineures par rapport à notre grande civilisation, et la modernité, qui s'empare d'un certain nombre de choses, des arts primitifs, etc. Mais bon, souvent pour des qualités formelles et pas pour ce qu'elles représentaient. Pas toujours, hein, mais enfin, quand même, d'une manière assez générale. Et du coup, à cause de la fameuse philosophie hegelienne sur laquelle nous vivons toujours, c'est-à-dire que l'art avec le romantisme s'était séparé et à la fois de l'aristocratie et des princes et de la religion, et donc on avait affaire à un art qui est agnostique ou athée, et il n'est plus question dans l'art de religion. Donc on les bat. Et voilà. Et alors, même chose, je regarde autour de moi, comme pour Magicien de la Terre, je me dis, scandale. Le nombre de cultures qui vivent aujourd'hui avec des manifestations religieuses qui sont en évolution, nous n'allons surtout pas dire que ce sont des choses traditionnelles, figées, etc., qui sont en évolution constante et qui donnent lieu à des inventions sur le plan formel et des couleurs absolument incroyables, et ça, tout d'un coup, c'est plus tard. Alors, ça appartient à l'histoire des religions, et même les ethnologues, les anthropologues se sont beaucoup intéressés, comme d'habitude, à des phénomènes spécifiques. On a fait des recherches dans telle ou telle région, quelquefois on a des connaissances tout à fait élaborées, et personne n'avait jamais pensé à faire un livre sur les hôtels dans le monde entier, c'est-à-dire le lieu où se trouve le sacré dans n'importe quelle religion. Bon, après, il y a le bâtiment, il y a la chapelle, ou l'église, ou le temple, mais ça, on ne peut pas transporter dans un musée. Alors, montre peut-être quelques images, si tu veux bien. Alors, ça, ça vient du pays qui est totalement privilégié pour les hôtels, vous le savez peut-être, c'est le Mexique. Au moment de la Toussaint, on fait au Mexique, partout, mais absolument partout, dans les cimetières, mais dans les rues, etc., des hôtels. Et je connaissais déjà cette famille qui fait des espèces de monstres, des diables, des démons, une sorte de figure en papier mâché, très colorée, et Linares. Et je leur ai demandé de faire un hôtel pour l'exposition, à quoi ils m'ont répondu, oui, mais il faut que vous voulez savoir à qui était dédié l'hôtel. Alors, je leur ai dit, sorti comme ça, une idée, j'ai dit l'artiste inconnu, un peu comme le soldat inconnu. Et alors, ils ont fait un hôtel pour les artistes. Alors, vous voyez toutes sortes de... je vois, il y a un trompettiste, il y a un musicien, il y a un artiste. Et en fait, les deux personnages en haut, c'est en fait Frida Kahlo et son double.
C'est, ils ont fait de Frida Kahlo des grandes figures mexicaines. De jumelles, oui, grandes figures de l'art mexicain. Et voilà. Et alors, dans ce genre d'exercice-là, je note une chose, c'est que c'est une demande de ta part. Et sur un sujet, en plus. Donc, il y a eu une sorte d'interventionnisme, là, au niveau de la création. Interventionnisme, si on veut, c'est relationnel. Enfin, c'est simplement, c'est un accord à partir du moment où l'auteur de l'hôtel, justement, demande un certain nombre de précisions sur ce qu'il doit faire, et pas tant de ne pas les lui donner. D'accord. L'image suivante. L'image suivante, c'est un hôtel du tombeau qui a été reconstitué. Alors, tout ça, ça a été fait avec l'aide des technologues qui, quelquefois, connaissent très très bien leur terrain, comme on dit. Et on a reconstitué cet hôtel, vous voyez, même avec l'arrivée de lumière par cet oculus dans le plafond, avec toutes sortes de matières sacrificielles qui sont mises sur ces figures, sur ces sculptures. On y met des œufs, du sang, il y a des sacrifices, etc. Et là, on peut se poser la question de la bonté, parce que pour nous, c'est difficile à accepter. Il faut bien se dire que quand on veut honorer les dieux, dans n'importe quelle religion, on y met ce qu'on a de plus cher et de plus beau. C'est donc qu'ils considèrent que là, il y a une beauté. Une beauté, une espèce même de sommet de la beauté. Qui réside dans ces éléments. Dans ces figures, avec cet amas, encore une fois, de matière sacrificielle. Là, on est dans des canons esthétiques qui sont quand même très très différents des nôtres. Oui, j'allais dire justement, tu as beaucoup travaillé avec des ethnologues et des anthropologues, parce que tu allais justement chercher cette différence. Et oui, parce que ça c'est ce qui m'interroge toujours, et j'ai pas résolu. Il y a des choses que j'ai beaucoup de mal à comprendre, ça. Je pense à. Il y a des objets en Océanie. Qui sont des pictoraux qui sont faits à partir d'un grand coquillage de nacre, absolument magnifique. Les Océaniens, les Papous, disons, mettent là-dessus une espèce de terre rougeâtre qui nous paraît tout à fait incongrue parce que la nacre est tellement belle en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on ne sait pas y répondre, mais c'est pourtant des choses qu'ils considèrent comme plus belles une fois qu'ils y ont mis cette espèce de terre dessus et qu'ils y ont mis ce coloris rougeâtre. Le beau est toujours bizarre, comme le dit Baudelaire. Il n'est pas toujours bizarre, parce qu'il y a un beau qu'on reconnaît facilement, qui est celui que nous avons tellement intégré, enfin qui appartient à notre éducation et qui nous forge complètement. Mais arriver à apprécier d'autres beaux comme ça, c'est ça qui est fascinant. Oui, mais ça remet en question justement les canons appris. Exactement. Et c'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est dynamique. Mais on est arrivé au XXe siècle, justement, à pouvoir apprécier des canons esthétiques différents. Enfin, on connaissait ça déjà un petit peu avec les cultures méditerranéennes, les canons égyptiens par rapport aux canons grecs, etc. Mais là, on a des choses qui vont... où on arrivait toujours à tirer une filiation, on pouvait toujours voir une espèce d'évolution. Et là, on est dans quelque chose de complètement différent. Tu veux dire que le 18e et le 19e siècle ont été peut-être des siècles qui ont un peu égaré cette possibilité de l'éclectisme? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que l'époque des Lumières est à la fois merveilleuse sur le plan intellectuel parce qu'elle représente justement cette première conscience de l'universalité et cette grande ouverture, mais elle le fait sur le plan des idées de l'humanité, mais certainement pas sur le plan esthétique. Il y a une autre encore, je crois, image oui. D'hôtel. Voilà. Ah, c'est un hôtel de Cuba. Fait avec des assiettes, comme vous voyez. Mais ce qui compte, ce n'est pas tellement les assiettes en tant que telles, c'est le plan, parce que c'est un hôtel qui est dédié à une divinité
qui ne supporte que la couleur blanche. Que l'Immaculée. Ouais. Je ne vois pas bien de loin. Et, alors ça, loin, hein. Ça, c'est juste un des hôtels de Corée du Sud. C'est un hôtel qui est fait lorsqu'on achète une voiture, c'est une Hyundai, comme vous voyez, et en Corée, pour éviter les accidents. Et donc, on y met toutes sortes de nourriture, d'aliments, et cette tête de cochon, avec des billets de banque dans la bouche, parce que le tête de cochon étant réputé l'animal qui donne le plus de petits, c'est donc un animal qui représente la fertilité et la richesse. Et voilà, ça c'est un hôtel d'aujourd'hui. Donc pour vous dire que dans l'exposition, on n'était pas que dans les traditions. Et j'avais, pour éviter les ambiguïtés, j'avais refusé d'y mettre tout l'hôtel dit ancien. Ce qui m'a valu d'ailleurs, le seul refus de l'exposition, c'est les catholiques qui n'ont pas voulu y être parce que la religion catholique, se considérant comme universelle, elle ne peut pas accepter des idées qui sont celles de l'anthropologie, d'une égalité, religieuse. Et d'autres formes. D'accord. Alors, on va regarder rapidement juste une ou deux images du musée de Düsseldorf tel que tu l'avais confié, en quelque sorte. Alors, tu en avais confié la collection, plus exactement, à deux artistes pour qu'ils mettent leur grain de sel dans la manière de présenter les collections d'un musée, en quelque sorte. Exactement. Et c'était beaucoup plus qu'un grain de sel, parce que je suis arrivé à ce musée de Düsseldorf, qui est comme un musée de région ici, ce serait l'équivalent du musée de Rouen. Sauf que le musée de Rouen, il y a quand même le musée des Beaux-Arts, il y a une prégnance de la peinture, il y a une très importante collection de peinture. Alors que j'arrivais dans ce musée de Düsseldorf, il y avait une collection de peinture, bien entendu, mais il y avait du mobilier, il y avait les restes d'un musée des arts décoratifs qui avait été bombardé pendant la guerre. Il y avait donc des objets, toutes sortes d'objets d'art décoratif. Il y avait une formidable collection de verres anciens. Et donc, toutes ces choses-là étaient là, une merveilleuse collection de dessins aussi, toujours difficile à montrer parce qu'on ne peut pas les montrer en permanence. Et j'avais l'impression d'avoir une espèce de bric-à-brac qui était évidemment montré, comme toujours, selon une chronologie qui commençait à l'Antiquité et qui se terminait au XXe siècle. Je me suis dit que si on n'était pas un historien d'art ou quelqu'un de très versé dans l'histoire de l'art, cette chronologie, elle ne voulait rien dire. C'est une espèce de colonne vertébrale qui ne veut dire quelque chose que pour les gens qui ont... Posture rebelle. Voilà, qui ont vraiment toute la connaissance. Et je me suis dit, il faut trouver un autre moyen de montrer ça à des jeunes qui d'ailleurs n'apprennent plus l'histoire à l'école comme nous l'apprenions peut-être encore avec la chronologie, mais apprennent justement à apprécier les objets par rapport à un contexte économique, politique, social, etc. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens. Et les deux artistes que j'ai sollicités, Thomas Soubert, un peintre, et Bogomir Ecker, un sculpteur, se sont mis à la tâche et ont imaginé toutes sortes de salles, des entités, où, au fond, on posait une question qui était une question d'aujourd'hui, une question sociale peut-être d'aujourd'hui, et on essayait d'y répondre par les œuvres qui étaient dans la collection, avec des œuvres anciennes. Parce que tu penses que le regard des artistes est plus approprié à nous montrer l'actualité du monde ? Oui, je le pense, parce que les historiens d'art sont, eux, comme prisonniers de formules. Ils ont une vision évolutive de l'art qui est une espèce d'arborescence constante avec des influences, etc. Et ils sont souvent très loin de la création. J'ai appris énormément de choses chez les artistes, avec les artistes dans les ateliers, et je me suis aperçu combien la création était quelque chose de chaotique. C'est des logiques très particulières qui sont à l'œuvre. Ce n'est pas du tout ces évolutions
qui se poursuivent d'une manière tout à fait logique. Linéaire, dans un continuum. Tel que nous les donnent les historiens. Donc, voilà. Et le résultat, ça a été ça, c'est juste un exemple, mais que pour moi était emblématique de cet accrochage. J'aurais jamais pensé à ça. C'est pas ce tableau de Van der Neer, hollandais du XVIIe siècle, Candolle et Gigès avec cette femme nue qui se montre devant son mari. Et le tableau est construit effectivement à partir d'un certain nombre de plans rectangulaires, les uns derrière les autres. Pas la peine de mettre n'importe quel texte pour expliquer ça à côté. On met un tableau d'Albers et tout le monde comprend. Pas besoin de mettre de texte. Pas de texte. Et on explique, ça c'est mon credo, on explique le visuel par du visuel. Mais encore faut-il avoir un apprentissage du visuel. Ah, il faut savoir regarder, c'est sûr. Il faut observer, il faut se concentrer. Et ça c'est peut-être aussi, d'ailleurs, tout un des enjeux de l'éducation aujourd'hui. Oui, parce qu'on est tellement aujourd'hui dans un monde sollicité d'images qu'on n'a même pas le temps véritablement de les lire. Se concentrer, apprendre aux enfants à se concentrer sur leur réalité quotidienne, à la comprendre. Quand on parle des artistes, des écrivains, qu'est-ce qu'on fait ? On parle toujours de leur enfance et de leur éducation et d'un certain nombre de choses qui ont été complètement fondamentales dans cette période. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont eu la capacité de regarder des choses qui étaient complètement quotidiennes, à les observer, peut-être à prendre une certaine distance par rapport à ce quotidien, et du coup à l'analyser comme quelque chose qui n'est pas simplement un dû normal qui est là et auquel on ne pense plus. Et je pense que dans l'éducation, dans l'enseignement, on peut faire ça d'une manière assez simple. Et on peut, de cette façon, apprendre à des enfants justement ce que beaucoup d'artistes nous montrent aujourd'hui dans leurs œuvres, ce que peut être la beauté ou la magie ou le merveilleux du quotidien. Dans cette façon donc d'apprentissage du regard, finalement, est-ce que tu irais jusqu'à, en termes d'éducation, puisqu'on parle de cela un moment, jusqu'à considérer que c'est inutile de vouloir faire dessiner un enfant, de faire peindre un enfant, mais qu'il faudrait beaucoup plus le tenir face à une image et puis qu'il la regarde avec cette intensité dont tu parles. Moi, je pense que les deux sont bien. Les deux sont très bien. Je ne suis pas tout à fait sûr que les petits barbouillages qu'on leur fait faire soient si intéressants que ça, mais les deux. Mais ce que je voulais t'entendre dire. Les deux sont nécessaires. Non, mais les deux sont nécessaires, oui. Alors, on va continuer. Peut-être que tu passes les images, on va arriver sur carambolage, parce que sinon, oui, on ne va pas y arriver. Il y a quand même le temps tourne. Voilà. Voilà. Alors, j'espère que beaucoup d'entre vous avez vu cette exposition que Jean Hubert avait organisée au Grand Palais et qui s'appelle Carambolage. C'était une exposition où, portait au niveau d'une institution aussi prestigieuse que le Grand Palais, ça n'est pas privé de sens non plus, tu portais donc ta réflexion de vouloir battre en brèche tous ces canons, toutes ces catégories de l'histoire de l'art, dans lesquelles finalement on est complètement enfermé, nos esprits sont formatés à cela, mais tu es allé très loin, et la critique a été assez violente, parfois il me semble, tu es allé très loin parce que tu as pris un parti qui était non seulement de juxtaposer, tu me corriges si les mots que j'utilise ne correspondent pas du tout à la manière dont tu as fait les choses, donc de juxtaposer des œuvres par des jeux d'analogie plastique, formelle, et de toutes sortes de natures, notamment en prenant soin, évidemment, d'abandonner toute idée chronologique, ça c'est clair, mais aussi de reporter sur la marge, à travers des outils informatiques, tout ce qui pouvait être information de ses œuvres. Donc, il y avait comme cela une exposition où d'ailleurs on circulait en lacets, si je puis dire,
d'une vitrine à l'autre, à la découverte, finalement, peut-être plus, et je te lance cette retenue, si je puis dire, peut-être plus à la découverte de ton propre regard que du regard que offre à voir une œuvre d'art. Parce que ce n'était pas une exposition, allez, je vais carrément le dire, parce que ce n'était pas une exposition un peu narcissique de ton regard. C'est ton jugement. Mais non, je fais exprès. Ça reste pas ton jugement. Ça n'est pas d'ailleurs, mais c'est pour poser la question. Oui, bon, j'ai eu cette question quelques fois, je pouvais m'y attendre. Je crois que c'est le regard d'une génération sur les arts du passé. Pourquoi ? Parce que ce que j'ai montré là, ce sont des œuvres ou des types d'œuvres, je ne peux pas dire à chaque fois, mais c'est exactement le type d'œuvre que je discute avec mes amis artistes, que je trouve dans leur atelier. Il n'y a pas un atelier d'artiste où il n'y a pas un mur où ils punaisent des cartes postales, des photos d'œuvres découpées dans les journaux, toutes sortes d'œuvres qui, formellement, n'ont rien à voir en général avec ce que fait l'artiste, mais qui sont des œuvres qui comptent parce qu'elles sont des stimuli, elles font partie de cette constellation intellectuelle qui les aide à créer et qui les pousse à chercher certaines choses, à travailler dans certaines directions. Et c'est ce type d'œuvre que j'ai présélectionné. Alors, effectivement, c'était dans beaucoup de cas des œuvres de marge, on peut dire, comme tu dis, ou moi je dirais des œuvres de niche. Mm-hmm. Et on m'a même fait le reproche dans certaines critiques qu'il n'y avait pas de chef-d'œuvre. Et c'était volontaire. Je voulais montrer là qu'il y avait eu une grande césure dans les années 60, justement on parlait de canon esthétique tout à l'heure, et la grande césure a été celle de l'art conceptuel, en gros, si vous voulez, mais pris au sens le plus large, quand on abandonne les beaux-arts, au fond on abandonne la peinture et la sculpture en tant que technique parfaitement identifiée, et on se réfère à un système qui est beaucoup plus un système d'idées que de formes vraiment tout à fait déterminées. Et on trouve dans l'art du passé, dans l'archéologie, etc., on trouve des équivalents de tout ça. On trouve des choses qui répondent à ces préoccupations. Et j'ai voulu regrouper ce type d'œuvre dans l'exposition, et à partir du moment où j'avais ma base de données, je me suis dit, mais évidemment, surtout pas la chronologie. Et donc, j'ai inventé ce système qu'on pourrait qualifier système de domino, qui est que il y avait 180 œuvres, et du début à la fin, on pouvait suivre une séquence, une chaîne, qui faisait que chaque œuvre était prédite par la précédente et annonçait la suivante. Tu crées un modèle, finalement. Oui, mais en disant pas du tout que ce modèle est exclusif ou qui devrait tout d'un coup s'étendre partout dans les expositions, c'est pour dire on peut sortir des modèles qu'on nous a donnés. Il faut inventer. Et je vois que ça arrive de plus en plus. Les collègues dans les musées commencent à se dire qu'ils ont ces espèces de bric-à-brac comme ça, avec des œuvres de toutes sortes, et à les mélanger, et à ne plus rester dans simplement les répartitions, les catégories par technique, par époque, géographique ou historique, mais à les mélanger. Et ça a un gros avantage, c'est que ça empêche le visiteur de s'endormir. Moi, je pense que beaucoup de visiteurs trouvent les musées monotones parce qu'au fond, on leur montre tout le temps des choses qui sont dans des ensembles homogènes, alors qu'il faut leur faire circuler les idées à travers la tête et stimuler leur imagination en leur montrant des choses hétérogènes qui soient à la fois pareilles et différentes. Mais alors, moi, je ne vais pas faire des reproches parce que j'ai
adoré cette exposition, on en avait parlé, on avait fait un entretien à ce sujet dans la presse. Mais j'ai envie de titiller un petit peu, parce qu'elle commençait par un panneau où il y avait marqué « Règles du jeu ». Ça devient contradictoire avec ce que tu veux nous donner à voir. Tu nous poses des règles, alors justement tu veux dérégler tout. Oui, mais il ne s'agit pas de faire du chaos. Il s'agit de règles du jeu. C'était simplement pour prévenir les gens qu'ils ne vont pas voir une exposition organisée de manière chronologique ou selon des catégories géographiques ou historiques. La méthode est complètement différente et je leur donnais la clé pour comprendre. C'est quand même la moindre des choses, me semble-t-il. Alors, autre chose, pourquoi tu n'es pas allé jusqu'à l'extrême de ta pensée et plutôt que de mettre au bout de chaque lacet, si je puis dire, des bornes informatiques où on pouvait retrouver si l'on voulait, pourquoi avoir eu cette envie quand même de nommer, de désigner? Tu pouvais te dispenser de tout cartel. Ouais. Écoute, on progresse lentement, on fait les choses à petits pas, tu vois, d'une fois sur l'autre. Mais il y a des révolutions parfois. Quand même. Oui, non, ça aurait été. Cela dit, je l'avais fait au Muséum Kunstpalast. C'est le serpent qui se mord à ta queue, parce que j'avais tout bêtement réinventé le catalogue tel qu'il se pratiquait au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y avait des numéros à côté de chacune des œuvres, et on donnait à chaque visiteur un petit livret, et il pouvait se reporter en cherchant le numéro, il pouvait retrouver le nom de l'auteur, la date, etc. Alors tout à l'heure, quand tu... Mais la raison là était très claire, n'est-ce pas? Comme le dit Philippe, on circulait à travers des lacets parce qu'il y avait une suite de 6 messes qui se succédaient dans l'espace. Et au bout de chaque couloir, on avait un petit écran qui donnait les indications sur les 6 ou 10 œuvres qu'on venait de voir. Mais l'idée était bien qu'il fallait justement regarder, observer et se dire... Et on séchait devant beaucoup des objets. C'est ça qui est bien. Quand on ne sait pas et qu'on regarde parce qu'on essaye de comprendre. Voir avant de savoir. Et oui, et avoir des émotions avant de savoir. On ne va pas dans un concert pour apprendre l'histoire de la musique. On y va pour avoir des émotions, des sensations. Et ensuite, on s'intéresse à l'époque à laquelle le morceau a été créé, à son contexte, etc. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais monté cette exposition de carambolage, dont je rappellerai que le titre, c'est toi qui l'as enseigné, d'ailleurs, enfin, rappelé, quand on en avait parlé à l'époque, est un terme de guillard, oui. Hein, de coup... On touche deux boules avec une... On lance une boule qui en touche deux. Qui en touche deux autres. Ça, c'est carambolage. C'est un carambolage. C'est vrai que si on n'a pas cette référence, on pense beaucoup plutôt à l'automobile. Bien sûr. Et donc au chaos. Oui. Plus que justement alors, la subtilité des boules de billard. Alors je dois redire ce que je t'ai dit certainement déjà à l'époque, c'est que en tant que commissaire, je n'ai pas la décision ultime ni de l'affiche ni du titre, que j'ai dû négocier ça. J'ai gagné l'affiche. L'affiche, c'était ce que vous voyez là à l'écran. C'est le personnage qui fait une horrible grimace, tableau du XVIe siècle, tout à fait étonnant. Et j'ai cédé sur le titre parce que j'en ai livré une demi-douzaine. Tu peux lui donner un ou deux éléments pour qu'on puisse... Je vais vous donner celui que je vais utiliser parce que cette exposition a pour moi une conséquence absolument formidable. Je vais en parler, mais parle-en. J'en parle tout de suite. La directrice du musée Pouchkine à Moscou a vu cette exposition et est tellement enthousiaste qu'elle me demande de faire une exposition dans le même esprit, carte blanche, dans tout le musée en 2021. Rendez-vous. Et elle a accepté le titre que Paris a refusé parce que c'est une phrase, c'est trop long, un titre, ça doit à chaque fois être... Vous savez, les communicants, c'est terrible, enfin, ça doit être un substantif, un adjectif, voilà. Et le titre, c'est une
citation de Mark Twain, et là elle décrit réellement le contenu de l'exposition, c'est « Les anciens nous ont volé toutes les grandes idées ». Bon, on pourrait s'arrêter là-dessus, mais j'aurais envie encore, avant de proposer au public de te poser des questions, de me saisir d'un moment là que tu nous as donné, en précisant que quand tu as monté Carambolage, ton souci était de ne pas mettre de chef-d'œuvre. Oui, enfin, c'était pas non plus une règle absolue. Je voulais simplement savoir qu'est-ce que je pense qu'il y en avait, un ou deux. Il y avait. Qu'est-ce que c'est un chef-d'œuvre, Jean-Hubert Martin ? Ah, c'est une œuvre qui est reconnue par une très grande majorité du public. Et il y avait un Dürer, par exemple, mais qui était inconnu. Il y avait un Dürer qui est à la Bibliothèque nationale, dont il dort dans un tiroir gentiment, surtout pas mis à la lumière parce qu'il est sur le papier, et qui est une tête d'un cerf qui a été chassé, qui a un carreau d'arbalète entre les deux yeux. C'est une œuvre absolument magnifique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, enfin, bon, c'est vrai qu'il n'était pas connu. Mais c'est pas dangereux la réponse que tu m'as donnée là, qui est reconnue par le plus grand nombre. Peut-être. J'ai déjà un peu peur de ça. Bah, je sais pas. Un peu peur de. Je sais pas comment tu le reportes à la quantité, quoi. Ça. Ben, je crains que ce soit quand même ça. En fait, c'est au moins une œuvre sur laquelle un très grand nombre de gens s'entendent pour dire que. Alors, tout à fait remarquable. Donc. Est-ce que tu as une réponse à la question, mais pourquoi, à ce moment-là, cette œuvre-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle porte en elle, cette œuvre, ce chef-d'œuvre, que les autres n'ont pas? Mais elle porte justement les aspirations, les idées, l'atmosphère intellectuelle d'un moment. Et alors là, j'espère ne pas être narcissique, mais je vais peut-être être très ambitieux. Je pense qu'il y avait dans Carambolage un certain nombre des chefs-d'œuvre de demain. À condition que l'esthétique et les canons esthétiques qui ont été lancés à partir des années 60 pour l'art contemporain soient réellement valides et soient repris par les générations qui vont venir. Alors, ce dont je ne suis pas sûr. Je voudrais juste que tu rebondisses sur une phrase que tu cites dans le catalogue, je crois bien, de Carambolage, et qui est une phrase de Malraux, parce que bien entendu, Carambolage n'est pas ton musée imaginaire. Ben non, parce que le musée imaginaire, c'est un livre. Voilà. C'est tout ce que je ne veux pas. Enfin, je veux dire, ben, très bien qu'il ait fait un livre, oui. Mais en plus, il a triché, comme on sait. Oui, parce que photographier une tête de Bouddha, une tête de Christ, sous le même angle, avec un éclairage similaire, c'est facile de les mettre en vis-à-vis sur une double page d'un bouquin. Quand on a des sculptures... La critique est sévère, mais c'est bien, c'est bien. Je suis pas le seul. Non, c'est bien. Roman l'a dit aussi. C'est bien. Quand on a les objets devant soi, c'est autre chose. Mais je vais citer une phrase de Malraux que tu utilises, parce que finalement, tu es toujours dans cette volonté peut-être d'inverser les choses. Et Malraux, que tu cites, « On ne va pas de Villon à Mallarmé, on va de Mallarmé à Villon ». J'avoue que cette phrase est quand même particulièrement puissante. Oui. Hein? Elle est un peu ton guide. Absolument, absolument. Oui. En tout cas, merci Jean-Hubert de cette conversation. Maintenant, je me tourne vers la salle en vous proposant d'intervenir si vous le souhaitez. Y a-t-il une question dans la salle, comme on dit communément? Est-ce que vous avez une bonne voix qui porte? Je suis sûr. Je vais essayer, oui. Ah, c'est parfait. Bonsoir. Si vous refaisiez aujourd'hui les magiciens de la Terre, quels sont les artistes que vous choisiriez de présenter? Si je refaisais aujourd'hui... Les magiciens de la Terre, quels sont les artistes que tu choisirais? Vous voulez dire peut-être des artistes qu'on a... Bah, des artistes contemporains, notamment. Est-ce que vous prendriez les mêmes ou est-ce que vous choisiriez... Absolument pas, je ne prendrais pas les mêmes. Ça, c'est à la fois... l'avantage, mais en fait, c'est la situation normale d'une exposition, elle est le reflet de son temps. Et j'ai déjà rétrospectivement des regrets,
sur des artistes que je n'ai pas mis à l'époque dans Magicien de la Terre, parce que nous étions avec mes collaborateurs dans la défense d'une idée de l'art de ce moment-là, qui était une idée très des années 80, et qui essayait de prendre ses distances avec la peinture qui avait été tellement louée et glorifiée juste auparavant. Et si vous voulez, il y a des peintres qui étaient à Paris même, comme Zaouki ou Reza ou Farid Belkaya, qui n'étaient pas dans l'exposition Magicien de la Terre, et rétrospectivement, je pense que c'est une erreur. Donc, je peux pas refaire, enfin, ce serait complètement différent, je ne pourrais pas refaire, on ne refait pas une exposition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des vagues tentatives au moment où le Centre Pompidou a fait ce 25e anniversaire. Alors j'ai accepté, un peu à contre-cœur, qu'on fasse une exposition documentaire. Qui était passionnante. Bon. Très intéressant. Tant mieux. Mais je ne voulais en aucun cas une sorte de remake, parce qu'on ne peut pas revivre un moment de sa vie. Les choses ont changé, le monde est différent, Dieu sait s'il est différent depuis 30 ans. Et donc, ce ne serait pas la même exposition. Y a-t-il encore une question à la salle? Oui, madame, mademoiselle. Je vais essayer de parler assez fort. Voilà, vous avez un micro. Alors, je n'ai pas vu le nouvel accrochage de la taille moderne à Londres, mais j'avais entendu dire que, justement, c'était le parti pris de faire un accrochage thématique avec une ouverture sur les différentes aires culturelles et les différents continents. C'est ma première question, je voulais avoir votre point de vue sur ce nouvel accrochage. Et par ailleurs aussi, Philippe Piguet a insisté sur la diversité de vos goûts. Il a tout aussi votre curriculum vitae impressionnant. Et je voulais savoir, en termes de collectionneur, comment vous vous situez? Est-ce que vous avez une passion et pourquoi, vu la diversité de vos goûts, il semblerait être, voilà. Est-ce que vous êtes un collectionneur et si oui, de quoi? Alors, je n'ai pas vu le dernier accrochage de la Tate Gallery, mais vous avez raison d'en parler parce que déjà il y a 4 ou 5 ans, même plus, je crois, ils ont fait un accrochage qui n'était pas ni chronologique, ni suivant la biographie des artistes, etc. Ils avaient fait des ensembles thématiques déjà. Simplement, vous le savez, la Tate Gallery est un musée du XXe siècle. Donc, il est un de ces musées spécialisés. Je dis ça, c'est très important parce que quand j'ai fait Carambolage, je ne pouvais en quelque sorte le faire que au Grand Palais. Quand j'allais voir le Centre Pompidou, je ne l'ai pas fait réellement, mais si je l'avais fait, ils m'auraient dit « Ah ben non, il y a trop d'œuvres anciennes, on ne peut pas le montrer ». Quand j'en parlais à des musées d'art ancien, ils disaient « Ah ben non, il y avait trop d'œuvres modernes ». Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on puisse montrer la panoplie totale de l'art universel. Quand au tout dernier accrochage, j'ai effectivement entendu parler de leur recherche d'acquisition dans d'autres continents, et je sais qu'ils font un effort de ce côté-là, mais je n'ai pas vu l'accrochage. Quant à mon activité de collectionneur, elle est pas loin de zéro, parce que éthiquement, en tant que conservateur ou directeur de musée, il m'est impossible de collectionner dans le domaine de mes fonctions. Donc j'ai fait quelques cadeaux d'artistes, et c'est vrai, depuis que je ne suis plus en fonction, j'ai acheté quelques œuvres d'artistes à la carrière desquels j'ai vraiment beaucoup contribué. Mais c'est pas un rattrapage. Voilà, mais ce n'est pas une collection, c'est quelques œuvres pour décorer les murs de ma maison. Y a-t-il encore une question?
Alors, je voudrais simplement, tout en vous remerciant de votre présence, préciser deux choses. D'une part, la présence de Jean Hubert dans cette avant-première de Normandie impressionniste, elle est particulièrement justifiée parce que Jean Hubert a accepté d'entrer dans le conseil scientifique et artistique que nous avons remodelé avec Selma Toprak, la directrice de Normandie impressionniste, et que si je lui ai proposé de parler des problématiques contemporaines d'exposition, c'est parce que je pense sans cesse à cette aventure impressionniste que je connais, je crois, pas trop mal, et comment ces artistes, ce petit groupe d'artistes en 1974, était dans une situation de refus permanent d'exposer au salon et qu'il fallait qu'ils trouvent une solution et qu'ils se sont donné d'eux-mêmes cette capacité à monter une exposition. Donc je crois qu'il y a là toutes sortes de réflexions qui font des ponts entre le passé, le présent et évidemment en direction de l'avenir. L'avenir, je voudrais donc terminer là-dessus en vous disant, puisque il y a une semaine, nous étions ici pour la conférence de presse de Normandie impressionniste, et que peut-être vous n'avez pas tous eu l'occasion d'avoir l'écho de cette conférence. Normandie impressionniste 2020, donc, dont j'ai le commissaire général en responsabilité, mais dans une collaboration plus qu'étroite avec la direction et Selma Toprak et son équipe, nous l'avons placé, je dis nous l'avons placé dans le cadre d'une ligne directrice générale que l'on a intitulée « La couleur au jour le jour », compte tenu de ce qu'évidemment l'impressionnisme, c'est la couleur, la libération de la couleur par rapport aux contraintes du sujet. Au jour le jour, c'est l'éloge du quotidien. Et puis, cette expression « le jour » nous mène jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est dans un principe de concaténation. À considérer que cette formule, je l'ai suggérée, proposée, la voyant traversée par trois vecteurs, l'humain, la société et les loisirs, de sorte à donner à tout un chacun partenaire à venir de Normandie Impressionniste 2020 un champ d'exercice suffisamment large, tout en étant évidemment bien défini. Voilà tout simplement ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre écoute et espère vous retrouver sur les routes de Normandie Impressionniste 2020. Jean-Hubert, merci mille fois de ta présence et de ce partage. Merci, et post-scriptum, c'est une œuvre de Thomas Grünfeld. Bien joué. Merci.